Baba Ami, tu n'es pas bien. C'est quoi les problèmes? Je ne sais pas. C'est comme si j'ai la malaria. Ah, c'est quoi ça encore? Malaria. Baba Ami, qu'est-ce que tu avais mangé pour attraper la malaria? Pendant que tu sais que la malaria n'est pas bon pour le corps humain. Ah! Oh! As-tu bu un médicament? Oh non, non. Ah! Qu'allons-nous faire, Baba Ami? Va dans les sacs de ta mère et prends un peu d'argent. Va prendre un peu d'argent, je sais qu'il y en a. Okay. Prends un peu d'argent et va m'acheter des médicaments. Ok, je vais alors voir. Je peux t'emmener de l'eau à boire. Ne te dérange pas, va me trouver d'abord les médicaments. Ok, je reviens. Hein? Je reviens. Ougba. Baba Ami, j'ai vu l'argent. Ok, vas-y. Je pars acheter les médicaments. Vas-y, très bien. Ah, ton corps est très chaud. Je pars acheter vite. Hey! Papa, qu'est-ce que tu fais avec ma lettre? C'est qui Nketinyere? Il faut l'ouvrir. C'est qui ces gens? Ce n'est qu'une seule et même personne. D'accord, je comprends. C'est une seule personne, ok? Mais tu as écrit ça dans tous les papiers. Est-ce que tu vas bien? Papa? Hé, fais ça, toi! Hé! Ah, laisse-moi! Toi et moi savons lequel d'entre nous est malade ici. Et en passant, je me demande ce que signifie ta question là. Écoute, tu vois, si je te gifle, hein. Ok, dis-moi, c'est elle? Papa, son nom est Nketinyere. C'est bien elle. Très bientôt, tu vas la connaître et tu vas arrêter de t'interférer dans mes affaires. Hey! Eh wow. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas fait? Salut. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, comment okay, vas-tu? Merci, monsieur. Je vais bien. Très bien, où vas-tu comme ça? Je pars à la pharmacie. Y a-t-il un problème? Non, il n'y a pas de problème, mais qui est malade? Baba Ami. Baba Ami ne se sent pas bien. Pardon, si tu as un truc à me dire, dis-le vite, moi je dois partir. Ok, attends, mon nom est James. Est-ce que je peux te connaître? Mon nom est Nketinyere. Nketi. Pardon, je n'ai pas le temps à perdre ici. Je dois vite partir. Ça va aller. Ton père ira mieux, ok? Laisse-moi partir, pardon. Papa, j'ai rencontré quelqu'un sur mon chemin. Et je crois parfaitement que c'est celle que je vais rendre ma femme. James. Oui, papa. Vraiment? Oui, papa. Je pensais que tu avais dit que tu n'as rien à faire avec les filles de ces villages. Oui, c'est vrai que je l'ai dit, papa, mais celle-ci est trop spéciale pour moi. J'ai pu avoir son nom, mais je ne sais vraiment pas où elle habite. Vu que ce n'était que la première fois.
Comment s'appelle-t-elle? Nkechi Nere, papa. Elle allait chercher des médicaments pour son père. Elle disait qu'il était malade. Bon, tu n'as pas à t'inquiéter, hein. Aussi longtemps qu'elle est de ce village, tu finiras par la revoir. Dans l'entretemps, je suis content que tu sois de retour. Merci, papa. Parce que je ne peux pas m'imaginer vivre sans mon fils à mes côtés. Ne me dis pas que je t'ai manqué quand même. Je suis déjà un homme et bientôt je vais me marier. Donc ne me manque pas trop. Si tu l'as dit, je prie que Dieu me donne la force et le courage dont j'ai besoin. Oh oui, papa, Dieu va te donner cette force, ne t'en fais pas. Parce que je me marie très bientôt. Bonjour, madame. Maman, je vous salue, oh. J'ai dit bonjour. Oh, c'est quoi? Je te salue, oh. Bonjour, Mao. T'ai-je dit que j'étais sourde? Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire? Je n'ai pas le temps pour des petits-enfants, oh. Maman, je ne suis pas un enfant, oh. Je suis un homme. Ne voyez pas ma taille, oh. Quoi qu'il en soit, je cherche un Nkechi Nere. Elle doit sûrement être là. Hein? Je ne sais pas. Maman, je ne suis pas un petit enfant. Oh. Je suis un homme. Tu ne fuis pas à ma taille. Oh. Je ne te blâme pas. Oh. C'est qui Nkechi Nere? Ah ah. Mais je pensais que c'était sa maison. Oh. Bon, pas grave. Si elle revenait, dites-lui que c'était moi, Chikeloué. Oui. Oh mon Kinkere, il n'y a pas de Nkechi Nere dans cette maison. Je veux que tu sortes de ma parcelle maintenant, avant que je ne change d'attitude. Oh. Parce que si je me tourne contre toi, je vais encore réduire ta taille d'avant. Mais, oh, mais madame, je croyais que... Je t'ai dit de sortir de la parcelle. N'entends-tu pas? Es-tu sourd? Mais maman, je cherche juste que... Tu t'es fou de moi? Tu veux que je te poursuive? Tu veux que je te poursuive? Dans mon propre parcelle? Oh! Hein? Oh! Regardez-moi ce crétin! Zaché! Insensé! Aurori Brukou! Stupide Igbo! Je suis certaine que tu es un garçon Igbo! Stupide. Laisse-moi te voir encore dans cette parcelle. Je cherche une Nkechi Nere. Oh. Maman. Il faut Oluwa. C'est depuis très loin là-bas que j'étais en train d'écouter ta voix. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh. J'étais ici. Oh. Un minuscule homme vient d'être ici disant que qu'il cherche une Nkechi Nere. Je ne comprends pas. Ah, tu parles vraiment d'un minuscule? Les garçons en question est gros et court comme ça. Il a un visage rond comme ça. Oh. Ah, maman, c'est Remini. C'est mon ami. Je pense que tu ne l'as pas maltraité, oh. Il faut louer. Maman. Il faut Oluwa. Fais quoi encore? Yeah. Il faut Oluwa. C'est quoi le problème, maman? Qu'est-ce que tu as vu? Tu ne dis rien. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Es-tu en train de me dire que c'est Abba Monkekere qui vient d'être ici? C'est ton ami? C'est bien bon, mon ami, maman. Oh. Ah! Il faut Oluwa. Je suis fini, oh. Il faut Oluwa. Pourquoi tu t'es décidé de faire ainsi à ta mère? Pourquoi tu t'es décidé de dénigrer ton père dans ces villages, au folle? Maman! Qu'est-ce que tu peux faire avec cette Monkekere? Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ces garçons? Oh. Maman, tu vois ta vie! Tu vois ta vie, maman! Ton mari est là-bas en train de souffrir! Tu ne t'inquiètes même pas!
pas pour lui, mais tu es là en train de crier pour les choses qui ne te concernent même pas. Laissez-moi tranquille, pardon, maman. On va régler ces problèmes. Ce n'est pas normal. Ce que tu fais n'est pas du tout juste. Dès que tu finis avec ton père, on va en parler. Wow, tu deviens ami des demi-hommes. Comment tu peux être ami de ces petits garçons? Ah, wow, la folie de ton père ne sera pas ton partage. Je le refuse, oh, tu ne l'hériteras pas de lui. Oh, jamais. Mon ami, oh, s'il te plaît, pardonnez-moi. Ne te fâche pas. Elle est toujours comme ça ou elle passait juste une mauvaise journée? Oh, ah, celle-là. Ah, elle est comme ça quelquefois. Pardon, ne la suis pas du tout, je t'en prie. Oh. Elle est comme ça quelquefois. Eh, mais je peux quand même aller à la maison pour essayer de lui faire rire. Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Pardon, son humeur est toujours comme ça. Ça change de temps en temps, donc ne la suis pas. Donc pour l'instant, concentre-toi pour me faire rire. Mais ne fais pas comme la fois passée. Oh. Parce que tu avais bougé la fois passée là-haut. Tu ne comme ça aujourd'hui, s'il te plaît. Je t'en prie. Je me suis rappelé. Je peux commencer à rire jusqu'à tomber mes mains par terre. Toi, vraiment. Ah, ah, quel genre de personne es-tu? Wow, je suis contente parce que j'avais fui ces jours-là. Si tu n'avais pas fui, j'allais dire ça à Baba Ami. Il allait te faire du mal. Il est méchant, oh. Il allait t'emmener à la station de la police et tu n'allais pas t'échapper de là-bas. C'est quel genre de rire encore comme ça? En tout cas, c'était une bonne décision que j'avais prise l'autre fois. Tchai, et à propos de ton père, je ne l'ai pas vu à la maison. Tu parles de Baba Ami? Oh ouais, il ne se sent pas bien. Il est en train de prendre le médicament. Maman va faire pour lui à beau demain. Il va prendre, il va bien se sentir. Désolé, oh. Je peux tout de même aller à la maison pour le faire rire. Ou même ta mère aussi. Ah. Je crois que j'ai quelque chose pour eux afin de le faire rire. Tu viens encore faire... Oui, non. Tu veux que je te montre? Non, je ne vais rien voir. Je ne veux pas me sentir comme une folle, oh. Cette fois-ci, je refuse. Pardon, laissez-moi tranquille. Hey. Merci de pardonner ma mère. La seule façon pour moi d'accepter tes excuses est si tu m'accompagnes dans une promenade. Juste ça? Oui. Obo? Oh, oh, wow! Papa, papa, tu continues encore de prendre cette merde. Souviens-toi de ce que le docteur t'a dit, hein? Bon, peu importe, ce n'est pas ça le problème. Papa, voici ma meilleure amie, Nketchi Nere. Ifolua. Ce n'est pas seulement Nketchi Nere,
Mais elle s'appelle aussi Ifolua. Elle est connectée. Ifolua, voici mon père. Il tient Ezou Mokodobia. Nchoko. Ikasa, monsieur. Ikasa. Bon après-midi, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous allez, monsieur? Tu fais quoi, là? Hein? Ok. Chikelo. Papa? C'est elle? Oui, papa, tu l'aimes bien, hein? Ok. Je serai derrière, hein? Je suis un peu occupé, là. Merci, monsieur. Merci. Je vois comme si ton père ne m'a pas apprécié. Il t'apprécie. Viens, on va s'asseoir. Il est toujours comme ça. Sûr? Oui, je te jure. Tu sais, mon père ainsi que ma mère sont presque pareils quand il s'agit de recevoir des étrangers. T'en fais pas, sois à l'aise. Laisse-moi aller chercher un truc à boire. De l'eau, c'est mieux. De l'eau? Ok, d'accord, je reviens. Je reviens tout de suite, d'accord? Oh! Ah! Encore mi! Amagi! Amadi! Où est mon argent? Où est mon argent? Ça, ce n'est pas juste. Où est mon argent? Folak, c'est pourquoi tu cries? Arrête de crier, non? J'ai utilisé ton argent pour acheter des médicaments. Regarde les médicaments. Okomi, tu dis que je crie? Qu'est-ce qui m'intéresse dans les médicaments qu'elle t'a apportés? Oh, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pourquoi tu peux utiliser mon argent sans mon consentement? Me demander pour savoir si je vais accepter ou refuser. Pourquoi tu as pris mon argent? Désolé, je suis vraiment désolé. Je croyais que l'argent nous appartenait à nous deux. Cet argent n'est pas le tien, oh. Ce n'est pas notre argent à nous deux, oh. Ton argent est à nous deux, mais mon argent est à moi seul. L'argent de Folak est pour Folak seul, oh. Mon argent est notre argent. Oui. Mais ton argent est le tien. Mon argent est à moi seul. Ça veut dire quoi ce que tu fais? Ça c'est me chercher des troubles, oh. Tu n'as qu'à me remettre mon argent. Je ne veux pas de problème. Évite de problème. J'en ai besoin, donne-le-moi. Folak, je n'ai pas d'argent maintenant. Attends juste que je me rétablisse, ok? Je vais te les rembourser. Quand? Quand est-ce que tu vas me payer? Ça tombera du ciel ou quoi? Oh, Okomi, je n'apprécie pas ce que tu fais, oh. Folak, je suis malade. Est-ce que je peux au moins me reposer, s'il te plaît? Tu ne vas pas te reposer. Hey, Joe. Tu ne vas pas te reposer parce que tu as pris mon argent sans pour autant me le demander. Encore, mais j'ai besoin d'argent. C'est le genre de blague que je n'aime pas, oh. Je te parle et puis tu es en train de te couvrir. Hein? Tu te moques donc de moi. Encore, mais je te parle et puis tu te caches sous le drap. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Maman, c'est quoi les problèmes? Hein? À chaque fois quand je sors, je te trouve en train de crier à tout moment. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Hein? Depuis là-bas, j'étais en train d'attendre ta voix. Pourquoi tu cries comme ça, hein? C'est quoi le problème? Ah, Baba Ami, qu'est-ce que tu as? Ifolua, c'est à moi que tu as ouvert tous ces gros yeux. Ah. C'est moi que tu qualifies de trompette, Ifolua. Oh. Tu veux commencer à me diriger dans cette maison? Tu veux me prouver que c'est toi qui es la plus folle d'ici? Où est mon argent? Ifolua. Où est mon argent que tu as pris dans le sac? C'est ça le problème. Oui, oh. J'ai acheté avec le médicament de Baba Ami. C'est quoi le problème? Ça fait quoi même? Si quand Baba Ami veut acheter le médicament, c'est avec mon argent ou avec son propre argent. Ah. Je peux utiliser de l'argent que mes parents m'ont envoyé pour acheter le médicament. Maman, peux-tu me laisser tranquille? Hein? Ah. Moi, je t'ai respecté beaucoup, oh. Laisse-moi, je t'en prie, pardon. Il faut louer. Si tu veux acheter des médicaments pour ton père, c'est lui qui va demander de l'argent. Tu n'as pas à prendre. Est-ce que tu m'entends? Maman, laisse-moi. Maintenant, je ne vais pas les problèmes. Laisse-moi, maman. Remets-moi mon argent. Laisse-le tranquille. Remets-moi mon argent. Laisse-le, maman. Si tu cherches à mourir, si tu veux mourir,
Tu ne mourras pas entre mes mains. Allez, donne-moi. Laisse-le, oh. Maman, laisse papa, oh. Laisse papa tranquille. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu exagères. Papa Ami, ne suis pas cette folle de femme que tu as, oh. Faut pas la suivre. Elle est dérangeuse. C'est moi que tu as fait trouver. Maman, c'est moi. Maman, laisse-moi tranquille, laisse-moi, oh. Ne me cherchez pas. Chikelu. Avoir son yon ou la moukan et dozio nounia dendo, an et dozikouyon. C'est pour cette raison que j'aimerais te conseiller comme ton père. Je me suis habitué à respecter tes choix matures quand il s'agit de ta vie. Excepté celui-ci. Et Foronka, on parle. Nka akata wopra wopra. Je ne sais même pas par où commencer. Est-ce que t'es fou quoi? Elle est juste élancée par rapport à toi. Elle est juste un peu élancée. Et tu sais très bien que t'es un bourreau. En fait, tu es un bourreau. Juste un peu de poids et tu seras appelé bourreau. Et tu oses m'amener une fille mince comme ça. Hein? En quoi est-ce que tu veux transformer ma maison? À un bistrot? Non. Si c'est ça tes plans, ça ne marchera pas. Ça ne tiendra pas. Papa, arrête. Excuse-moi. Ne parle pas quand je parle. Ne m'interromps pas. Je suis ton père. Hein? Alors, regarde comment elle s'habille. Elle ne s'habille pas bien du tout. Des histoires trop courtes comme ça. Dans notre communauté, on ne s'habille pas ainsi. Ce n'est pas notre tradition. Voilà pourquoi les femmes des Igbo sont appelées des femmes vertueuses. Mais dans celle-ci, il n'y a pas de vert et encore moins de tueuses. C'est quoi ça? Si par mégarde le vent souffle, elle sera toute nue. Comment va-t-elle faire alors? Son corps sera exposé et ce n'est pas notre culture. Parlons de la salutation. Juste un petit bonjour. Elle a fait toute une éternité racontant bêtises. Et Caro, et Casso, et Baho, et Bami, et Beike, et Benka. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes là? Juste un petit bonjour pour saluer tout le monde. Papa? Attends. Papa? Ce que je dis est que si tu sais où tu as ramassé cette fille, retourne-la vite fait. Je n'ai pas besoin d'elle ici. C'est moi qui parle. Calme-toi. Elle est mon choix. C'est tout ce que j'ai à dire et je ne le répéterai pas deux fois. Je ferai ce que je veux. Je ferai mon choix. Tu comprends? Oui, je ferai mon choix. Tu comprends? Essaie oui. De m'ordonner. Okay. Je ferai mon choix. Bon, t'es semble, ok? Mais pas dans cette maison. Tu ne vas pas amener cette fille ici, cette fille sans manière et sans idéal dans cette maison. Tu ne peux pas, parce que tu es mon fils, m'amener n'importe qui ici. Cela n'est pas possible. Écoute, tu vois, elle ne sait même pas comment parler. Hein? En fait, n'ose même pas. Ça, c'est ma maison et je décide qui vient ici et qui ne vient pas. C'est ma maison. Quand tu auras ta propre maison, tu feras tes choix et ça ne dépendra pas de toi. M'as-tu compris? Alors écoute-moi. Je décide qui vient ici et qui ne vient pas. Ça, c'est ma maison. Je le répète. Ça, c'est ma maison. Tu vois? Hein? C'est ma fille qui a construit tout ça. Espèce d'idiot. Arrête tes bêtises, toi, idiot. Ah, papa? J'applaudis pour toi. Applaudis pour toi-même aussi, non? Donc tu es fier de cette chose. Tu es fier de cette maison de fantôme, hein? Nye, nye. Regarde ce dont tu es fier. Nye. Papa, j'en ai vraiment marre de toi. Qu'est-ce qu'il y a de la nourriture dans la cuisine? Je vais aller manger maintenant. Il est fier de sa maison. Hey! Hey! Okay, I'm going to go there. Oh, tu es là, papa? Oui, je suis de retour. Tu vas où? Je sors un peu. Et tu vas où? Je vais à la recherche de la femme de mon cœur. Je l'ai actuellement vue dans mon rêve. Vraiment? Oui, papa. Je n'ai aucun doute que c'était vraiment un rêve merveilleux. Oh oui, un merveilleux rêve, mais je prie de la croiser aujourd'hui.
Bien, veux-tu que mes gardes t'accompagnent? Au moins un ou deux peuvent t'accompagner. Non, non, papa, ça va aller. J'ai juste besoin d'être seul pour pouvoir bien réfléchir. C'est bien, je suis impatient de te voir revenir avec elle. Oui, mais ça dépend, faudrait qu'elle accepte de venir avec moi. Oh, mais pourquoi? Pourquoi va-t-elle refuser? Tu n'as pas à t'inquiéter. Un garçon comme toi. Ah, mon papa. Écoute, mon fils. L'argent oui. répond à n'importe quelle sorte de demande. Va la prendre. Très bien, je dois y aller maintenant. Merde, bon. Ma carte. Ah, ça doit être dans ma voiture. C'est bon. T'inquiète, papa, je te le promets. Rassure-toi de rentrer ici avec elle. Je te promets que je vais revenir avec elle. Hé, hey, regarde. Chike. Attends. Ah, attends, non, Chike. Ah, Chike, attends, non, s'il te plaît. Je suis vraiment, vraiment désolé. Hein? Pardonne-moi, non. Ah, Moby, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me pardonnes, hein? Je sais que... Pardon, je me mets à genoux. Je sais que je t'ai causé du tort, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'étais déçu, je sais. En fait, je t'ai rempli de jalousie, oh. S'il te plaît, pardonne-moi. Oui, c'est exactement ce que je veux que tu dises. Jalousie. Oui, jalousie. Oui, tu as raison. En tout cas, tout ce que tu es en train de me dire, hein, c'est vrai. Mais je suis désolé, pardonne-moi, hein. J'étais vraiment idiot de te combattre, hein. Te combattre pour une fille qui ne me connaît même pas, qui ne m'a jamais... En tout cas, je suis désolé, oh. Crois-moi, je reconnais mes erreurs et je te demande pardon. Hein. J'aimerais qu'on rentre, qu'on redevienne des amis, des meilleurs amis qu'on a toujours été comme auparavant. S'il te plaît, pardonne-moi. Hein? Oui. Amobi, hein? Je n'ai jamais gardé des rancœurs envers toi. Chai. Hein? On a un grand nombre de filles dans ce village que tu peux récupérer. Hein? Nous sommes amis. Et même des filles que tu aimes avoir pour amis ou aimer pour de vrai, ça dépend de ton choix. Donc si tu veux qu'on redevienne des amis comme nous l'étions avant, tu dois accepter et respecter le choix de ma femme. D'accord. Si tel est le cas, je jure, je ne veux plus le refaire. Si tu veux une fille blonde, élancée, courte, je vais te soutenir sans problème. Hey, même si tu veux celle... Canalise. Toutes celles que tu voudras, je vais te soutenir. Tu as dit de courte taille? Je ne parle pas uniquement de celle qui est courte. Toutes celles que... Tu as encore recommencé. Tu ne peux même pas me dire de me lever depuis que j'étais à genoux. Tu me regardes comme ça. Dis-moi de me lever, non? Tu te moques de moi, hein? Tu te moques de mais moi. Mais mon ami, lève-toi, non? Tu te moques de moi. Tu te moques de moi, hein? Aïe! Ah! Mon pote, regarde, hein? Ah, Nkechi? Chike. Bonsoir. Ah, bonsoir, hein. Voici Amobi. C'est mon ami d'enfance. Nous avons grandi ensemble dans ce village. Ah, c'est vrai. Oui. Bonsoir. Bonsoir encore. En passant, c'est lui qui m'avait libéré l'autre fois. Ah, et vous? Oui, oui. Je oui, suis oh. très contente. Mon nom est Ifo Olua. Tu peux m'appeler Nkechi. Plaisir de te rencontrer. Le plaisir est le mien, Nkechi. Il m'a déjà beaucoup parlé à propos de toi. Et il m'a aussi dit que tu es venu de la cité avec tes parents. Oui, on provient de Ijebu. Ah, Ijebu? C'est très loin. Pourquoi? C'est une longue histoire. D'accord. Nous en parlerons une prochaine fois, ok? Hein? Oui. Si je dis ça, c'est parce qu'elle est déjà partie. Hein? Ma mère m'avait envoyé depuis longtemps, j'ai traîné là-bas. Hein? Oh. Alors même prochainement. Hein? Ok, pas de problème. S'il te plaît, prends bien soin de mon ami pour moi. Oh. C'est vraiment un gentleman. Il n'y a aucun doute qu'il prendra vraiment soin de toi. Je le connais. Oui. Oh. On se verra le soir, non? Ok, il n'y a pas de problème. Si mes parents acceptent que je sorte, je viendrai te rendre visite. Bye bye. Toi, hein? comment tu es avec cette fille? Regarde comment elle marche. Allons-y. Toi, hein? Thank you.
salut. Salut. Ah. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, ma chère. Le respect, monsieur. Bon après-midi. Vas-y, lève-toi, s'il te plaît. Je m'apprêtais à demander aux villageois à propos de ta résidence. Ma résidence? Oui. J'espère que tout va bien, il n'y a pas de problème. Non, aucun problème. Tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu, on n'avait pas pu finir notre discussion. Ah, monsieur, c'était un mauvais moment, oh. Je n'ai pas encore le temps. Je suis en route pour les marchés. Maman est en train de m'attendre. Hein? C'est parfait. Laisse-moi t'accompagner alors, s'il te plaît. Ah, non. Monsieur, pardon, mes parents ne voudront pas que je fasse... Non, s'il te plaît, j'insiste. Ça sera très rapide, ok? S'il te plaît. Abby? Ok? Ok, pas de problème, allons-y. Tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu, quand je suis rentré chez moi, j'ai rêvé de toi. Et c'était si merveilleux. Ah, ah. T'as ces sentiments envers moi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis devenue sorcière, voilà pourquoi je te visite dans tes rêves. Non, 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 je ne te traite pas de sorcière, je ne fais que parler de mon rêve, je ne te traite pas de sorcière. Je ne suis pas sorcière, oh. Non, ah. Non, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit que tu étais une sorcière, calme-toi. Allez, viens, je vais te déposer. Oh, cher monsieur. Oh, cher. Ah, laisse-moi te ramener chez toi. Loua, c'est qui cet homme qui vient de te déposer? Maman, mon nom n'est pas Ife Loua. Mon nom est Inke Chinere. Ah. Oh, tu veux que je lève ma main sur ta joue pour te gifler ou bien tu veux répondre à ma question? Ife Loua, c'est qui le monsieur qui vient de te déposer? Je ne le connais pas. Je l'ai seulement rencontré en cours de route quand j'étais en train de revenir. Il m'a dit qu'il faisait très chaud, il voulait me déposer. Moi, je n'ai rien fait de mal, oh. Ha. Ah, 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 Ife Loua. Je sais que tu ne vas pas me décevoir. En fait, hein, je t'aime beaucoup. Tu es juste comme ta mère. Alors que je te disais de te dépêcher pour le mariage, tu t'es déjà aussitôt trouvé un riche. Quelqu'un? Ha. De quoi parlais-tu, maman? Je ne te comprends pas. Parce que je t'ai dit, moi, je ne les connais pas. Toi non plus, tu ne les connais même pas. Et tu parles de mariage. Oh, si tu n'as pas une relation avec lui, alors crée ça maintenant. Ah. Je ne vais pas perdre ce monsieur que je viens de voir. Oh. Je peux voir qu'il fera un beau fils dans l'avenir. C'est le genre de beau fils que je veux avoir. Oh. Maman, pourquoi es-tu comme ça? Ah, ah, tu dois avoir peur de Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux. Quelqu'un que tu ne connais pas. Tu l'appelles ton beau-fils. Oh, Ife Loua. Toi, tu veux que je l'appelle comment? Tu n'as pas vu la marque de voiture qu'il conduit? Ok. Écoute, laisse-moi te dire. Si tu veux que je commence à t'appeler Nketingere, il n'y a pas de problème. Oh. Je peux t'appeler Nketingere. Si tu crées seulement une relation avec ce garçon, il devient mon beau-fils. Oh. Oh, avec ça, il n'y a pas de problème. Oh. Pardon. Laissez-moi tranquille. Entre. Je n'ai pas le temps à perdre cet après-midi. Hey. Hey, attends, reviens d'abord ici. Je crois que ne viens pas de l'enterrement. Puisque depuis qu'on est venu dans cette terre, c'est tout le jour qu'il y a des enterrements. Tu vois pourquoi je n'aime pas cette terre des Igbo? C'est chaque jour qu'il y a des, chaque jour c'est moi un Igbo qui meurt. Je crois qu'il ne vient pas ici pour l'enterrement, oh. Parce que je ne veux pas enterrer qui que ce soit dans ma famille. Tu dois même aller là-bas maintenant. C'est là-bas que tu dois aller. Parce qu'ici tu ne fais que des bruits inutilement. Hé, hey, laisse-moi oh. Partir, pardon. Il faut louer. Est-elle en train de me parler? Ife Loua, es-tu en train de me parler? Oh, papa, j'ai pu prendre une photo d'elle. Quand nous étions dans la voiture, tu peux y jeter un œil.
Elle est tellement adorable. Merci, papa. Tu as raison, papa. Tu es en mesure de la faire monter dans ta voiture, mais pas de l'amener ici? Je suis désolé, papa. Elle revenait tout juste du marché. Mais papa, il y a un truc qui dérange ma tête. Depuis la première fois que j'ai posé mes yeux sur cette fille, j'étais si froid. Amoureux. Ah, je papa. Suis très content pour toi et je suis impatient de la voir ici. S'il te plaît, la prochaine fois que tu la verras, amène-la ici. J'aimerais aussi la voir, face à face. Oui, et je te le promets, papa. La prochaine fois que je pose mes yeux sur elle, je vais définitivement la ramener ici. Bien. C'est une promesse. Je suis très content pour toi. Je m'inquiétais que ça allait te prendre du temps pour voir ses parents. Mais aujourd'hui, je suis content que tu les aies retrouvés. Merci, merci papa. Je suis content que tu l'apprécies. Merci. Merci papa. Je suis sûr que tu... Je sais que tu seras un bon mari. Ah. Merci papa. Je suis vraiment heureux. Merci. James, James. Mon papa. James, James. Mon papa. Mon garçon. Je t'aime papa. Merci beaucoup. Papa? Pourquoi es-tu triste comme ça? Est-ce que le village est en danger? Comment le village peut-il être en sécurité quand il y a des gens comme toi dans ce village? Comment les gens peuvent être en sécurité? Ne sais-tu pas que tu es un voleur? Ah, papa, comment peux-tu me traiter de voleur, hein? C'est un mensonge, oh, un gros mensonge même. Mais un inconnu a été ici, se plaignant en disant qu'il allait s'en prendre à toi. Mazin connaît quoi? Oui. Bien, Chike. Ma papa? Quand est-ce que tu vas arrêter de m'amener honte et disgrâce dans papa, cette famille? Papa, papa. Quand est-ce que tu vas? Papa, dis-moi ce que tu as me dit ou non. Ah ah, arrête de tourner autour du pot parce que moi là, je suis pressé. D'accord. Il a dit que quelqu'un t'a vu en train de voler sa chèvre et quelques ignames pour aller les vendre au marché du village. Est-ce vrai? Vrai comment? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ok, tu es sûr que quelqu'un m'a vu au village du marché avec quelques ignames et la chèvre? Cette chèvre-là n'avait pas de chiffre sur elle, juste pour bien l'identifier. Papa, quelqu'un est venu ici juste pour détruire mon image? Celle de ton propre fils, et tu l'as cru. Tu n'as même pas cherché à connaître toute l'histoire. Mais tu y as cru. Papa, tu n'es pas gentil, oh. Tu n'es pas gentil. Voilà. Voici la ferme de mon père, là où j'ai souvent l'habitude de venir. Pour planter des trucs pour lui ainsi que pour moi et les revendre au marché du village et gagner de l'argent. Aïe! Aïe, c'est tellement beau! C'est une grande terre, oh! Oui, oh! Chike, tu sais que je n'ai jamais fait les champs de toute ma vie, hein? Ah, je ne sais même pas comment labourer. Aïe, Djebou, d'où on provient? On ne fait même pas les champs, oh! Mais depuis que nous sommes ici au village, on essaye. Mon papa m'amène au champ des fois pour m'apprendre comment on fait les champs. Et aussi, il n'aime pas que je touche à quelque chose. Il fait tout lui-même. En tout cas, labourer, c'est bien, oh. C'est ça, oh. Je les vois moi-même aussi. Chike, je vais devenir comme toi. Je vais apprendre à faire les champs. Je vais commencer à faire les champs moi-même et puis commencer à cultiver pour vraiment prendre soin de moi-même. Tu es sûr de ce que tu dis, là? Hein? C'est un petit problème, ça. En fait, je demandais seulement si tu voulais vraiment le faire. Oui, je vais apprendre. Ok, je vais t'apprendre. Mais combien vas-tu payer? Tu exagères, tu exagères. Tu veux que je te paye combien? Ce n'est toujours pas ce que je veux de toi. Qu
qu'est-ce que tu veux? Qu'on soit amis. Ah, wow. N'est-ce pas que tu es déjà mon ami? N'es-tu pas mon ami? Oui, je sais que je suis ton ami. Mais je serais content si ça pouvait changer. Qu'est-ce que je veux dire? J'aimerais juste que... Quoi? Non, rien du tout. Je voulais juste que je... S'il te plaît, tu sais qu'il fait très très chaud là-bas. Moi, je ne veux pas me bronzer sous ce soleil. Oh. Je ne veux pas que ma peau s'abîme à cause du soleil. Apprends-moi comment faire les champs, on va partir. Je vais te la prendre demain. Demain? Oui, il n'y a pas de roue ici, non? C'est une promesse, je t'enseignerai demain. Donc, on ne peut pas faire les champs sans la roue? Non, ça ne marche pas. Ok, pas de problème. Ok, allons-y. Regarde, si tu me demandais, je te conseillerais de parler à cette fille-là maintenant. Ouvre-toi à elle. Sois play, je veux dire, exprime-toi à elle. Tu risques beaucoup. Amobi, j'ai essayé ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Devrais-je lui parler de ta part? Non. Pourquoi ne demandes-tu pas la permission pour coucher avec elle de ma part? Tu es malade? Regardez-le avec ses gros yeux. Hein? C'est ça le problème. À chaque fois que tu... Oh, salut mon ami. Code 9. Ah là là, pour qui il se prend? Il pense qu'il est le seul à conduire une moto. Toi, t'as déjà conduit une moto. Va là-bas. Écoute, je pense que le problème avec cette fille est que tu es proche du sol. Tu es tellement proche du sol qu'il a parfois du mal à comprendre ce que tu veux lui dire. Mais tu ne veux pas que je puisse t'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Trouve un moyen et exprime-toi. Donc je suis très proche du sol. Très très proche. Oh. Et toi tu es très loin du sol. Ouais, on y va petit à petit. Écoute, nous devons aller petit à petit. Amobi, c'est comme ça qu'on conquérit le cœur d'une femme. Oui, je dois d'abord me familiariser avec elle. Et même avec sa famille. Sa famille? Mais oui, non. Mais qu'est-ce que sa famille a à voir ici? Tu veux sortir avec sa famille? Non. Juste pour que la famille me reconnaisse comme un de leurs amis, tu vois. Et comme ça, petit à petit, tu sais... C'est ça, non? Ok, tu seras surpris un jour. Lorsque quelqu'un d'autre viendra la prendre. Tu vas regretter ces jours-là. Et moi, je vais vraiment me moquer de toi. Je vais complètement me moquer de toi. Pourquoi ce contour? Pourquoi ce chemin? Va droit au but, la fille est là et parle-lui, exprime-toi. T'es voilà en train de me dire que tu veux te familiariser avec sa famille et n'importe quoi. C'est quoi ça? J'arrive. C'est qui là-bas encore? J'arrive, oh. Hé, mamie, oh. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Bon après-midi, bienvenue, ma chère. Bienvenue, monsieur. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, monsieur. S'il vous plaît, entrez. Oh, très bien, merci. Ah. S'il vous plaît, mettez-vous, je vais prendre aussi ma chaise. Est-ce que tes parents sont là? Ah, non. Ils étaient sortis, mais bientôt, ils vont revenir. Ok, pas grave alors. Allons voir mon père, puis nous reviendrons voir tes parents. Je ne comprends pas. Eh bien, j'ai beaucoup parlé à mon père à propos de toi et il aimerait te voir. Ah, t'es vraiment amusant, oh. Qu'est-ce que tu connais sur moi pour aller dire à ton père? Eh bien, ma chère, je ne connais peut-être pas grand-chose sur toi, mais si jamais on me donnait une chance d'écrire quelque chose sur toi, ça me prendrait des milliers de pages. Tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire avant. C'est comme si les garçons de ces villages sont tous des comédiens, oh. Je peux voir que il y a d'autres hommes qui te font souvent rire. Et c'est une bonne chose en tout cas. Sourire te rend plus belle. Qu'est-ce que tu veux vraiment de moi? Ça sera un vrai plaisir pour toi de rencontrer mon père. Tu sais, il est déjà très vieux, mais il t'apprécie beaucoup. Ok.
Mais tu sais que je ne peux pas. Ce n'est pas grave. Je peux t'attendre. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je vais t'attendre, ok? Ah, oh, quel gentil homme que tu es. Merci. Ok. Je vais t'attendre. Mmh. Ok. Sois la bienvenue, ma fille. Merci, monsieur. Tu es tout simplement tout ce que mon fils m'a dit à propos de toi. Et je suis content de t'avoir ici. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci. C'est gentil. Mon fils. Papa. Tu as vraiment fait un bon choix en la choisissant comme ta femme. Je suis fier de toi. Merci beaucoup, papa. Au fait, papa, je ne lui ai pas encore demandé. Bien, tu n'es pas obligé. Et je suis sûr que ma fille ici sera très contente de faire partie de cette famille. Nous allons prendre soin d'elle, mais également de sa famille. Tu as raison, papa. Une fois de plus, sois la bienvenue. Ok, monsieur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci, papa. Sois la bienvenue. Ma chère, je suis désolé pour tout ce que mon père a pu dire là-bas. Avec ce genre de manière, il devrait réfléchir avant de parler. Ah, oh, désolé. Moi, j'ai beaucoup apprécié ton père. Je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il est vraiment comique. Oh. C'est vraiment un homme intéressant. Vraiment? Je ne sais même pas quoi dire lui. J'ai vraiment apprécié alors. Mais... Mais quoi? Au fait, je sais que mon père parle un peu trop des fois. J'étais vraiment très captivé et ça a attiré mon attention sur toi. Je peux ne pas être parfait, mais il n'y a pas une propre manière de te le dire, sinon maintenant. Il y a une chanson qui dit « La vie est trop courte ». Je me sens très proche de toi et j'aimerais que nous créions une relation. La première fois que j'ai posé mes yeux sur toi, j'étais tombé amoureux de toi. Je suis désolé de te surprendre ainsi. Mais c'est ce que je ressens pour toi. Je veux faire de toi la mère de mes futurs enfants. Je veux faire de toi ma femme. Je veux rendre ma famille fière. S'il te plaît, accepte ma proposition. Toi. Viens, on va rentrer, s'il te plaît. J'étais en train de t'avertir. Je l'ai fait à maintes reprises, mais tu ne voulais pas m'écouter. Maintenant, regarde.
Dis-moi, est-ce que tu as vu ça? Regarde comment elle était confortable dans cette voiture en train de profiter. Non. Je t'avais dit, parle à cette fille. Va d'abord. Maintenant, regarde. Tu vois? Attends un peu. Peut-être que cet homme n'est qu'un ami de famille et il n'est pas intéressé à l'épouser. Hey. Le problème avec toi est que tu te donnes de l'espoir. Tu te donnes de faux espoirs jusqu'à tel point que tu vas succomber. Hein? Comment un si jeune homme, beau gars et riche qu'il est, ne sera pas intéressé à épouser cette fille? As-tu vu la connexion? As-tu vu l'intimité entre les deux là? Bon, tu es court, je comprends. Tu ne le verras pas. Mais moi, je sais ce que j'ai vu dans cette voiture. Je sais très bien ce que j'ai vu. Écoute, laisse-moi te rappeler. Ce garçon-là est le fils aîné de Chief Anyogu. Hein? Ok. Attends. Okay. Tu veux dire Chief Anyogu, l'homme le plus riche de notre village? Exactement. Jésus. La guerre est déclarée. Maintenant, le vrai combat a commencé. Laisse-moi te dire, je ne vois aucune victoire de ton côté. Je te dis la vérité, oh. Je suis sincère avec toi. Amobi, attends. Peut-être que cet homme ne lui a pas encore demandé sa main à elle. Mais je le ferai juste avant qu'il ne puisse le faire. Ouais. Hey. C'est ce que tu comptes faire maintenant? Juste prie qu'il ne l'ait pas encore fait. Juste prie qu'il ne l'ait pas encore fait. Parce que s'il a déjà proposé à cette fille, hein, elle va juste te quitter. Qu'est-ce que tu lui donnes même? Tu n'as rien du tout. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Regarde, la guerre maintenant est entre les riches et les pauvres. Tu n'as pas de chance. Oh. Tu n'as pas de chance, je t'ai dit. Tu m'entends? Amobi, écoute bien, laisse-moi te dire ceci. Sache que le dernier de mes soucis, c'est que quelqu'un me mette en colère. Ça, je te le dis franchement. Cette fille est mienne et mienne pour toujours. Qu'il y ait un riche dans le coin ou non, je m'en fous. Alors arrête de me dire n'importe quoi. Je t'ai entendu. Calme-toi, non. Tu es mon pote. À chaque fois, à tout moment, je serai toujours derrière toi. Mais par moment, il faut être réaliste. Oh. C'est pas mauvais. Qu'est-ce que tu viens de dire? Désolé, non. Qu'est-ce qu'il y a? Je demande, qu'est-ce que nous célébrons maintenant là? Papa, est-ce que tous les gens que tu vois boire là, ils célèbrent forcément quelque chose? Bien sûr! Nous buvons souvent lors des célébrations. À part ça, depuis que j'ai construit cette maison, je ne t'ai jamais vu en train de consommer 3 bouteilles de sucré au même moment. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Papa, hein? Ceci est assez pour moi pour avoir de la force. Dieu merci, tu m'observes très bien. Oui. Et ça, c'est pour te dire que tout ne va pas bien. Oui, tout va mal. Tout ne va pas bien, mais sommes-nous en train de préparer une bataille ou quoi? Kema du ono. Papa, laisse-moi te dire ce qui est vrai. Hein? Quelqu'un va mourir aujourd'hui s'il ne laisse pas ma femme pour moi. Eh oui. Est-ce que tu peux imaginer que le fils du chef Anyogu a essayé de voler ma femme, imagine. Hey. M'inquiétez à moi, ma future femme. Il y aura un massacre, je te dis. Hein? Bon Dieu. Et donc, c'est pour ça que tu es en train de faire tout ceci. Hein? Juste à cause de cette laide fille. Tu prends toutes ces bouteilles de sucré et ces amuse-gueules. Hein? Toi seul. Hein? Ce que tu aurais dû faire est de remercier Dieu. Remercie Dieu. En fait, je vais remercier Dieu de ta part. Parce que... ce garçon, le Chief Anyogu, va vraiment le remercier. D'ailleurs, moi-même, je vais remercier Dieu de ta part. Parce que si tu persistes avec cette fille avant que tu ne le réalises, il sera déjà trop tard. Que vas-tu faire avec cette fille sans manière? Je ne sais même pas quel adjectif utiliser pour lui donner la qualification qu'elle mérite. Papa, tu sais quoi? Je vais épouser Amaka pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Puisque tu l'aimes beaucoup, tu comprends? Mais actuellement, je veux ma femme à moi. Ma Nkechi à moi. Oui, je l'aurai, promis. Je dois prendre ce que je veux. Il ne faut pas que tu dises « je dois prendre ce que je veux ».
Quand je te parle là, tu dois bien écouter. Tu es en train de parler du chief Aniago. Sais-tu que cet homme peut acheter tout ce village et toujours rester riche? Le sais-tu? Fais gaffe, oh! Tu es averti. Blague avec... En fait, hein? Blague avec les gens de ta classe. Papa, si tu es un lâche, moi je ne le suis pas. Je dois prendre ce que je veux. Et si je fais ça, tu vas apprendre chez moi. Tu comprends ça? Oh! Je dois obtenir ce que je veux, oui. Papa Ami, j'arrive. Baba Ami. Assieds-toi. Ah. Baba Ami, assieds-toi. Es-tu venu te déposer? Ah ah. Oh. Baba Ami, moi je ne sais pas de quoi toi tu parles. Oh. Nketinière. Ma fille, écoute-moi. Dans des relations amoureuses, suis ton cœur, mais ouvre tes yeux. J'ai vu le jeune homme qui t'a déposé. Il est beau et prometteur. Ah, Baba Ami. Exact. Mais notre problème est que nous ne savons pas s'il est vrai et s'il peut bien prendre soin de toi comme ton mari. Je ne veux pas que tu expérimentes ce que j'expérimente maintenant. Ta mère aime l'argent plus qu'elle ne m'aime. Sois sage. Hein? Regarde comment tu souris. Baba Ami, laisse-moi tranquille. D'accord, Baba Ami. Merci énormément. J'ai entendu tout ce que tu m'as dit. Ouais. Baba Ami, laisse-moi te dire ceci, que moi, Ife Eluwa Ikesinere, je vais faire votre fierté. Je vais faire ta fierté que tu vas dire, celle-ci, c'est ma fille. Oh oui. Et Baba Ami, sais-tu pourquoi je t'aime? Je t'aime beaucoup parce que tu es gentil, oh. Tu n'es pas comme celle-là. Maman qui parlait beaucoup. Elle ne fait que parler à tout moment. Elle est à l'intérieur. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai rien dit, fais yo. Gaffe. C'est avant pas que un problème, à dire ça. De wo, wo. Faisons comme si rien ne s'est passé entre nous. Oh. Les trucs que tu as apportés là, est-ce que c'est prêt pour que je mange? Baba Ami, laisse-moi les prendre pour toi. Ok. Baba Ami. Ah. Nketchi? Chike, comment vas-tu? Je vais bien, hein? Je me dirigeais vers chez toi pour voir tes parents. Entre dans notre maison pour voir mes parents. Pourquoi? Comment peux-tu voir mes parents tout en étant comme ça? C'est parce que je n'ai pas une voiture. De quoi est-ce que tu es en train de parler? Oh, s'il te plaît, ne fais même pas comme si tu ne savais pas de quoi je parlais. Je vous ai vus tous les deux, oh. Ça, c'est la folie. Nous deux, moi et qui? Tu sais, le gars chez qui tu te diriges actuellement et où tu serais déjà si jamais je ne t'avais interrompu dans ton chemin. Oh, c'était une caméra spirituelle ou quoi? Que veux-tu de moi, Chike Eloué? Nke, pourquoi est-ce que tu me fais ça, non? Hein? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? C'est moi qui te demandé pourquoi est-ce que tu t'es fait ça? Hein? Pourquoi est-ce que tu vis dans l'imagination, dans tes pensées? Pourquoi jusqu'à ces points?
Nke, je t'aime, hein? Et je veux t'épouser. Ha! Ça m'a coûté de le dire, mais je le fais quand même aujourd'hui, donc comprends-moi s'il te plaît. Ha! Ne dis pas non s'il te plaît, laisse-moi une chance et je vais vraiment prendre soin de toi. Ha! Je t'en prie. Je t'en prie, bébé. Je t'en prie. Ha! Je t'en prie, s'il te plaît. Ha! Nke, s'il te plaît, non? Mais, s'il te plaît, non? Hey! Ah! Ah!